Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Pikmin 4 pour le 10e let's play. On va commencer le 9e jour. Alors on va commencer par récupérer quelques Pikmin jaunes, donc on va aller ici. Hop, là. On va sortir des jaunes. Et voilà. Maintenant, tout devient jaune et on peut récupérer les jaunes. Hop, c'est parti. On va tous les récupérer. Encore un ici. Encore un là. Comme ça, si on a des jaunes qui meurent, ce sera pas grave. On sera tranquille. Encore un ici. Encore un là-bas. Et voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une fleur de 5 aussi quelque part? Non, peut-être pas. Peut-être pas. J'ai pas l'impression. Alors, on va aussi voir si on peut pas améliorer le chien. On va récupérer celui-ci. Alors, on va voir le labo aussi, nouveau. Un nouveau prototype. Alors, antigel 50, antigel 100. Ok, ça c'est uniquement pour moi. Objet, qu'est-ce qu'on a? Une bombe rock, fabriquée à partir d'éléments organiques naturels, est assez puissante pour détruire un mur anti-choc. Ah oui, bon, on va la prendre. Hein. Ok. Les murs anti-choc. Très bien. Je regarde un peu, ouais. Ouais, carrément. Très bien. Alors. On va partir dans le monde. Explorer. On va aller faire les autres zones. Alors, il y a encore deux cavernes que j'avais découvertes. Alors on va prendre ce qui est conseillé. On va d'abord monter sur le Chin et puis on va prendre ce qui est conseillé ici. Suggestion. Et voilà, prendre ça. Et maintenant on va essayer de rejoindre les zones que j'avais vues. Donc il y a. Bon ça on va pas faire, on va faire après. Donc c'est là-bas, ici.
Donc il faut rejoindre la zone ici, on est là. Donc il faut monter par ici, prendre le petit pont, aller par là. On va faire ça, c'est parti. Donc on va par là. On prend le petit pont. Je pense que c'est par ici. Ouais, c'est par ici. Et direction ici. Alors, il n'y a qu'un truc enterré là, peut-être. Ah, il y a un trésor. Je sais pas trop où. On va essayer de prendre les Pikmin. Comme ceci. Oh, il creuse pas. Il a repéré un trésor, mais je sais pas où il est. Normalement, j'ai... J'ai le drone, normalement, qui me permet de regarder. Ah, ici, peut-être. Un trésor là. Ouais, ici, droit devant. Ok, je l'ai repéré avec le drone. On va enlever le drone. C'est là, ici en haut. Comment je fais pour envoyer des Pikmin là-dedans? Comment je peux faire? Faut que je les envoie dedans. Si je saute... Ah, je sais pas comment je les envoie là-haut. Hein. Ou bien le drone et puis envoyer... Ouais, c'est ici, hein, il faut envoyer là. Placer un marqueur. Voilà. Maintenant, il faut encore pouvoir... Bon, on va foncer dans le truc. Ça fait rien du tout. Je sais pas comment on peut faire pour envoyer quelque chose dedans. Bon, tant pis, on verra plus tard. On va continuer notre chemin. Peut-être qu'il y a moyen d'y aller par l'autre côté, je sais pas. On arrive ici. Il y a une zone à faire. On va voir si on peut aller par là. On peut pas aller par là. Et on va faire la zone ici, on va sauter, hop, et hop. Et ici aussi, il y a encore des choses là derrière, hein. Mais je sais pas comment on y va. Est-ce qu'on lancerait des Pikmin ici dessus pour ramener le truc? Je lance des rouges là, non des jaunes, hop. J'en lance 1, 2, ils font rien du tout. On les ramène. Donc il doit sûrement y avoir moyen ici de faire quelque chose. Ça ne fait rien. Allez, on va par là. On va aller dans la zone là, on verra plus tard pour l'autre. On voit bien qu'il y a un truc ici. Ah, il y a même un boss. Je vais envoyer le drone. Essayer de voir par où on peut passer pour arriver là. J'ai pas d'idée. En sautant sur les pots ici, probablement. Mais... Ah, il y a encore un secret là aussi. À récupérer. Il faut 20 Pikmin. Et un secret ici. Mais je vois pas comment on peut y accéder. Oh, je vais ranger le drone. Et on va dans la zone ici. Peut-être si on a un super saut, je sais pas. Faut voir si ça existe. J'ai trouvé un trou qui devrait mener au sommet de la montagne, mais c'est beaucoup plus sinueux que je ne m'y attendais. J'aperçois de la lumière au bout du tunnel. Enfin, si j'ai réussi à sortir de cet endroit, en tout cas, j'aurais bien mérité de me reposer. C'est parti. Alors, suggestion, on va prendre, hein, 20 et 20. C'est bon. On prend ça.
Sommet aquifère niveau 1. Alors, ça commence fort. C'est quoi ce truc-là? Allez, on lance. Les rouges. Et les bleus. Ok, c'est fait. Alors, les bleus peuvent geler l'eau. Donc, on va utiliser les bleus pour geler l'eau. Ici, il y en a encore d'autres. Est-ce que c'est pas de l'eau, ça? Ils sont dedans, donc ils gèlent. On va attaquer ici. On envoie tout le monde ici. Et voilà. Pareil ici. On va prendre tous les matériaux. C'est bon. Alors ici c'est gelé, on va récupérer les Pokémon. Les Pokémon. Les Pikmin, je dis Pokémon. Les Pikmin, c'est grave. Je suis fatigué. La journée a été longue. Ah, on peut pas aller... Ah si, je disais bien, voilà. Et maintenant l'eau va regeler. Voilà. Parfait, maintenant on va geler l'eau ici avec des bleus. Il en faut 10. Voilà, ça gèle l'eau, on peut passer, et on prend les Pokémon ici. Allez, Pikmin, décidément, c'est pas ma journée, hein, là. Hop, on saute, on envoie les bleus, les Pikmin, et pas les Pokémon, les Pikmin. Kamaju. Allez, c'est bon. Ah, elle a un trésor. Alors, est-ce que c'était tout ce qu'il y avait à trouver ici? Alors on doit récupérer nos Pikmin qui sont là. Cette fois-ci j'ai dit bon mot. Alors on va regarder si on a tout récupéré ou pas au niveau trésor. Est-ce qu'on a tout récupéré au niveau trésor du premier niveau? Voyons voir ça. Alors, sommet aquifère 50%, niveau 1 100%. Donc c'est bon, on a tous les trésors. Donc on va faire B-retour. On va prendre nos Pikmin ici. On va se mettre de l'autre côté. Et on récupère nos Pikmin avec B. On les rappelle, et voilà. L'eau est gelée, c'est parfait. Elle est plus gelée maintenant. Et on passe au niveau suivant. C'est parti. Continue l'exploration, oui. On continue. Niveau 2. Alors on va pouvoir déjà nourrir les Pokémon ici. Ça on va déjà faire. Alors tous les Pokémon vont se nourrir. On va les faire fleurir. Voilà, je pense que c'est bon. On va les laisser fleurir. Alors ici, on va sauter. Ah, on peut pas. Tiens, pourquoi on peut pas? C'est pas grave, on va faire le tour, hein. Donc on avance. Qu'est-ce qu'on a ici? On va lancer des bleus. Et voilà. Alors là, on va lancer des rouges, hein, parce qu'il faut péter les trucs rouges. Attention. On prend les rouges, sinon c'est la cata. Et c'est la cata. Vite revenez les petits gars. J'ai fait une petite erreur, j'ai oublié de mettre les rouges. Ah c'est bon.
Et voilà, ça c'est bon. Le sol brûlant a été éteint. On continue avec les rouges. Parfait. Les rouges sont invulnérables au feu. Hein. Bon, c'est évident, mais... Alors ici, on va faire ceci. Voilà. Ça fera un raccourci. Maintenant, on va envoyer les bleus ici. Pour geler la gelée. Et on balance les rouges pour casser. Et voilà, c'est fait. Alors, on continue à explorer. Il y a un bouton là. Il y a des pics mini ici à récupérer. Il y a un truc ici. On va récupérer les pics mini ici, déterrer. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va... Et on sait plus... Ah zut, on sait plus passer. Alors on va appuyer ici. Ça c'est pour nourrir les Pikmin. Allez, on fait tous fleurir. Allez, hop. On les laisse tous fleurir. Je crois que c'est bon. Et voilà. Alors ici, les bleus. Et on balance les rouges derrière. Et voilà, c'est parfait. Prenez les petits gars. Maintenant, il faudrait essayer de sauter là. Donc on va sauter ici. Puis là. Puis là. On va lancer un Pikmin sur le bouton. Ça ouvre la grille. Parfait, on va pouvoir récupérer les Pikmin qui sont là-bas. Et voilà, on retourne. La grille reste ouverte, donc ça c'est bien. On va essayer de récupérer le trésor. En même temps, je me demande s'il fallait pas des Pikmin jaunes pour récupérer le trésor là, mais peut-être pas. Peut-être qu'on peut lancer d'ici. Oui, on peut lancer d'ici. Allez. Voilà le trésor. Et c'est parti. On reprend le Pikmin ici. Ah, c'est un origami. Alors après ça, on peut monter par ici. Et on peut aller s'occuper du reste ici. Alors là, qu'est-ce qu'on a lancé? Ah, c'est pour créer un mur. Ah, c'est fait. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Encore des trucs ici. Allez, hop. Et ici. Ah, c'est une collection, ouais. C'est vrai qu'il y a les systèmes de collection. Allez, voilà. Nouveau trésor récupéré. Ça monte, ça monte, ça monte. Où est-ce que ça en est, là? Le point est fait. On va récupérer nos Pikmin qui sont encore de l'autre côté. On les appeler. Les petits gars. 65, aucun qui est perdu. On fait le tour. On va regarder si on a tous les trésors. Donc on va faire B. Non, c'est A, je crois. Non, A, c'est lancé. Non, c'est l'autre touche ici. Voilà. Alors, 87%. Niveau 2, 75%. Il nous manque des trésors encore. Il y a encore un truc là. Il nous manque encore des trésors. Donc il faut encore chercher. Allez, on cherche. Pour les autres trésors, il doit être là-dedans, le trésor, à mon avis. Allez, on envoie tout le monde. On va le geler. Il est gelé, on envoie les rouges. Oh, pour casser. Et voilà. Ah, mais voilà le naufragé. J'espère que c'est le docteur. Ça pourrait être super si c'était le docteur. Hop. Ah, mais je peux sauter par là. Alors, voyons voir qui c'est. Dalmo, passionné d'animaux, planète d'origine, planète Sozor. Ce chercheur dans l'âme s'intéresse avec plaisir et sincérité à toutes les créatures. Il adore les animaux qui le lui rendent bien. Ok. Comment
côté. Faut croire que oui, hein. Il se croit en colonie de vacances. Allez, on récupère nos petits Pikmin. On vérifie où on en est au niveau des scores. 100%, 100%. Allez, c'est impec. Et on retourne ici. Pour ça, il faut faire tout le tour. On prend notre raccourci ici. Et on s'en va. Et maintenant, on va continuer à explorer la terrasse ensoleillée. Surface. Remonter à la surface. Donc ici aussi, on peut récupérer des Pikmin glace assez facilement. Dalmo, plus 1 motivation accrue. Lumium collecté, voilà. Exploration terminée. On a récupéré 25 Pokémon, Pikmin glace. Impec. J'aimerais quand même bien savoir comment on accède à la zone à côté. Faudrait que je cherche. De toute façon, on peut, dans le prochain let's play, geler l'eau et aller faire le truc qui est tout près du vaisseau. Allez, on prend ce qui est conseillé. Suggestion. On va prendre ça pour explorer et puis on rechangera plus loin. Ah, mais attendez, on est ressorti de l'autre côté. Oh, oh, on est ressorti de l'autre côté. Génial, ça. Eh ben voilà, on va pouvoir activer le raccourci ici. Lancer. Et ben voilà, le raccourci est activé, on pourra tout récupérer. Alors on va tuer le boss. Alors pour tuer le boss, on ferait bien de prendre tout que des rouges. Hein. Alors on retourne ici. On va prendre que des rouges. On est vraiment loin, est-ce qu'on peut pas activer une base ici tout près? Bon c'est pas grave, on va descendre par là. On va prendre que des rouges maintenant. Ouais, la base est vachement loin. Donc ici, on va prendre des rouges et des jaunes. Donc rentrer, sortir les Pikmin. On va prendre, on va remettre les... ceci. On va prendre 20 jaunes et 20 rouges. Voilà. Et on va... on reste sur les rouges, c'est parfait. Et maintenant on retourne d'où on vient. Où je retrouve le chemin, je crois que c'était par ici. Ah oui, mais je vais devoir retraverser la grotte. Mais non, j'ai activé le raccourci. J'ai activé le raccourci, donc je dois plus faire ça. C'est bien pour ça qu'on a activé le raccourci. Allez, on se dépêche parce que la journée est déjà quasi à moitié passée. Donc avec les jaunes, on essaie de récupérer les trésors dans les pots. Et les rouges, on va les utiliser contre le... contre le hérisson. Voilà, là. Les rouges contre le hérisson, là. C'est parti. Oh, ça, c'est pas grave. Oh, il m'a tué mes Pikmin. C'est pas grave. Ochin. Chevaucher. Allez, chevaucher Ochin. Voilà. Ah. Bon, c'est pas glorieux, mais... ah, il a refait son truc. Il m'a encore zigouillé plein de Pikmin. Bon, il est mort. Il a la force de... ah bah c'est bon. Alors, c'est pas glorieux, hein. C'est vraiment pas glorieux. On va récupérer tout ce qu'on peut en Pikmin.
ici. On va récupérer 5 jaunes. Bon, mais les rouges, c'est bon aussi. Alors, il y en a 2 encore là, qui sont tout seuls. On pourra récupérer les trésors plus tard. Ah, il nous faut des jaunes, pour bien faire. Ah, c'est un rouge. Allez. Ah, ce sera un jaune. On retourne à la base. On va récupérer des pygmies là-bas. Au moins, on a récupéré déjà un trésor de plus. On va récupérer des pygmies ici. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas très grave. On va reprendre des jaunes ici. Des rouges, j'en ai plein, c'est pas grave. Alors, je vais reprendre des jaunes. Voilà. Hop, on va aller. On attend gentiment que ça vienne jaune. Trop tard. C'est pas malin. Des jaunes. Hop, un jaune et un autre jaune. Ça fera des jaunes de plus. Ah, impeccable. On regarde un petit peu ici tout ce qu'on a. Allez, c'est pas mal, 14-14. Entrer et sortir les Pikmin. On monte ici à 20 et ici à 20. Voilà. Il y a 7 Pikmin encore dehors qui se baladent et lui il lève là. Il y a ceux-ci aussi qu'on peut récupérer. Voilà. Plus celui-là. Plus les 5 là. 0 Pikmin occupé. Qu'est-ce que ça donne, 20-20. Allez, c'est parti. On se dépêche. Par ici à droite. On va encore essayer de récupérer un trésor ou deux. Par là-bas. Ah, j'ai très mal joué. Hein. J'ai très très mal joué. C'est pas grave. Je pensais pas qu'il ferait autant de dégâts mes Pikmin avec ses pointes. Alors, il y a encore un objet là à récupérer. On va lancer des Pikmin dessus. On se dépêche. On est ici. Ah ben encore des... On peut encore avoir des Pikmin ici. Allez hop. Un jaune encore. Ah mais on peut placer le truc ici. Oh, on va le mettre là. On déplacer la base ici. Hein. Ouf, ça irait bien plus vite. Et bien voilà. Alors là il y a encore un trésor là. On va mettre les jaunes. Est-ce qu'ils peuvent prendre le trésor? Non. Comment je peux faire? Non, c'est raté. Est-ce que je peux sauter? Non. Ah, est-ce qu'on peut passer par l'autre côté? Ah, ici on voit le trésor. Je pense que ça ira. On peut lancer d'ici. Sur le trésor là. Oui, ouais, ici. Là, il y a un trésor là. Et voilà. Et on rappelle tous les autres. Bon, je l'ai récupéré comme ça. Voilà, ça, ça marche. La balise, on peut l'enlever. Il y en a encore un qui est dans la nature à rien faire. Bon, si on le perd, tant pis. On voit bien que la vie d'Ochin se régénère petit à petit. Je crois qu'il y a encore un truc ici, hein. Ah mais non, on l'a fait. On va continuer à explorer. Ah, j'ai 0 Pikmin qui font rien, donc ça c'est bien. Il y a un truc ici, hein. Je sais pas comment on peut faire pour monter.
Comment je peux faire pour monter? Non. Non. Tra, je vois le trésor, je sais pas comment le prendre. Peut-être en allant par là. En allant par ici. Allez, on se dépêche. Allez, on prend le trésor là. Vite, vite, vite. Il en faut 20. Et voilà, c'est 20. Ça fait 20. Donc on a le trésor ici. Bon, la balise, on peut l'enlever de toute façon. Hop. Bon, je retourne à la base. Parce que le temps va passer. Je vais essayer d'enlever la balise aussi. Avec le drone, comment on fait? Placer un marqueur. Enlever pause, ranger le drone, masquer l'interface. Et si je fais Y, je l'enlève, non? Il reste l'autre ou pas? Bon, on verra bien plus tard. Ah oui, le marqueur reste, zut. On va enlever le drone. Allez, dépêchez-vous. On se dépêche. La journée est quasi finie. On a récupéré encore des trésors. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Hop, hop, hop. 20 Pikmin qui vont mourir si on n'est pas dans les temps. Ils sont où là les autres avec leurs trésors? Où sont les autres? Où sont là les Pikmin jaunes avec leurs trésors? Où est-ce qu'ils vont? Ils n'auront jamais le temps. On va les rappeler. Ils n'auront jamais le temps. Revenez. On laisse le trésor là, on le prendra la prochaine fois. On se dépêche avant de mourir. On se dépêche, on se dépêche. Il y en a un qui... Il y en a un qui est resté. Zut! Allez! Voilà, c'est la panique. Allez! Aïe, 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 aïe. Vite, 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 vite. Ça va aller. Vite, 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 vite. Oui, c'est bon. Vite, tout juste. Ici. Allez. C'est parti. Ouf. On prendra le trésor la prochaine fois. C'était trop juste. Ah, si on fait B, est-ce qu'on peut encore vite regarder la carte? On peut encore vite regarder la carte. Donc il restait un trésor ici. On l'a laissé par terre. Il restait un truc ici. Alors là, on a tout fait. On a tout fait. On a tout fait. Ici, il reste encore un truc à récupérer, il faut geler l'eau, ça en fera la prochaine fois. Ici, il y a un terrain d'exercice, on l'a fait à 100%. Et ici, il y a quelque chose, mais je sais pas comment on y va, faudra chercher. Peut-être en se laissant tomber d'en haut, je sais pas. On pourra voir, hein, si on va par ici et tout. Et la balise là, j'aimerais bien l'enlever. Mais bon, peu importe. Voilà. On a sauvé Dalmo. On a 3 points de motivation. Alors on va regarder tous les trésors qu'on a récupérés. On a récupéré le talisman de la grue, l'amu de phénix, la bribe de souvenir, au gauche, le talisman de la lune, la musgueule emballée et des pépites. On continue. Donc on est passé de 71% à 84%. On a perdu 4 Pikmin rouges, 11 Pikmin jaunes, on a
récupéré apparemment... Bon, c'est 15 Pikmin rouges perdus et des nouveaux Pikmin, on en a 76. Parfait. Et voilà. On en est dans les différentes quêtes. 30 sur 300, 34 sur 50, 6 et dressage canin. On est à 10. Et bien voilà, ce let's play va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à très bientôt pour le jour 10.